Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Tennis Addict, une émission pour vous, les joueurs, les joueuses, les passionnés de tennis. On va parler avec un champion, Albano Olivetti, qui est avec nous aujourd'hui. On va parler matériel, on va parler bons plans, on va parler santé, comme toujours, avec Louise Amrain et Jean-Sébastien Toth. Bonsoir, bonjour à tous les deux. On va parler, vous avez plein de choses à nous présenter, on va parler plan de cordage. Louise, vous avez une valise étonnante à nous présenter et Jean-Sébastien nous décortiquera la Head Gravity. Denis Negelen, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous accueillir, ancien joueur, bien sûr, directeur des internationaux de Strasbourg, bien sûr. On parlera matériel aussi, justement, un petit peu avec vous, voir votre, avec le recul de votre expérience. Oui. On parlera blessures aussi un petit peu, puisqu'on aura une grosse rubrique santé avec Cédric Daniel, notre kiné. On parlera des différentes blessures à l'épaule, notamment, qui touchent malheureusement beaucoup d'entre nous. Et puis, bien sûr, le quiz en fin d'émission, la minute insolite, nos images clin d'œil de la semaine. Et puis, on terminera par un jeu. Vous pourrez gagner une raquette en fin d'émission, mais ça, pour évidemment, il faut regarder l'émission pour avoir la réponse et pour savoir comment jouer. Jean-Sébastien, on commence avec vous. On va réviser nos cours de physique un petit peu. Je vous explique ça dans un instant. Jean-Sébastien, vous nous aviez expliqué dans une édition précédente ce qu'était que l'inertie d'une raquette. On va parler du plan de cordage. Ça aussi, c'est un paramètre sur lequel les joueurs et les joueuses peuvent influer parfois. Oui, c'est vrai. On a parlé de l'équilibre, de l'inertie. C'est les mesures les plus classiques qu'on a quand on parle de raquettes de tennis. Mais il y a aussi la position et le nombre de cordes qui sont sur la raquette qui sont importantes finalement. C'est ça qu'on appelle le plan de cordage. Le plan de cordage, on peut véritablement le choisir ou souvent on a l'impression que c'est plus ou moins imposé quand même par la raquette. Chaque fabricant en général impose le plan de cordage sur le modèle concerné. Par contre, il arrive qu'il y ait des variantes sur une même raquette. On peut avoir deux plans de cordage qui sont offerts. C'est selon la marque. Ça change quoi? Ça apporte quoi d'avoir plus ou moins de cordes sur son tamis? Alors, c'est assez simple comme ça. Je prends une balle. Vous voyez l'impact de la balle. Plus il y a de cordes qui vont être en contact avec la balle, plus la balle va se déformer. Et plus la balle se déforme, moins elle va repartir vite. Donc, en gros, plus il y a de cordes, plus on a de contrôle sur les freins. On perd en vitesse fatalement, du coup? On perd en vitesse. On gagne un peu en précision et en contrôle de balle, ouais, c'est ça, exactement. On parle de plan de cordage du coup plus fermé, donc plus de cordes, moins d'usure aussi, c'est un des paramètres qui peut être décisif. Puisqu'à chaque impact, on va dire que chaque impact, la balle touche moins de cordes et donc s'use plus vite, use les cordes plus vite sur un plan de cordage dit ouvert. Si je manque un peu de technique, que je veux gagner justement en vitesse, qu'est-ce que je choisis alors? Un plan de cordage dit ouvert, avec des cordes qui sont plus espacées, qui sont moins nombreuses et qui donnent plus de vivacité et de restitution d'énergie lors de la frappe. C'est quoi? C'est plutôt pour les joueurs qui veulent justement plus ou moins de contrôle. C'est ça le paramètre du coup pour choisir son plan de cordage? Alors oui, encore une fois, c'est à modèle donné. On va dire qu'il n'y a pas forcément le choix. Mais en général, les fabricants s'arrangent pour faire une raquette typée contrôle, c'est-à-dire un peu plus souple, avec un plan de cordage plus serré. Un exemple assez classique, c'est la fameuse Head Prestige hein, qui a été utilisée pendant de très nombreuses années et qui est encore sur le tour avec un plan de cordage en 18 montants et 20 travers. C'est un plan de cordage très serré, donc qui maximise le contrôle et la sensation de fermeté à l'impact. Merci beaucoup Jean-Sébastien, vous restez bien sûr avec nous, vous allez nous décortiquer tout à l'heure la Head Gravity. On va rester dans le rayon Head avec la présentation d'un nouveau modèle, la Head Speed, avec Ludovic Lucchini. Ludovic, merci d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu votre rôle chez Head? Alors, donc mon rôle chez Head, c'est que je m'occupe pour la filiale française, donc pour Head France, de toute la division sport de raquette. Voilà. Je ne touche pas du tout au ski, j'y touche en loisir le week-end, mais voilà, je ne m'occupe pas du tout du business ski, donc toute la partie tennis pour la France. Tennis et padel. Ouais. Comment se porte la marque en général? Quelles sont ses ambitions un peu pour l'année qui arrive? Donc, la marque se porte bien. On est sur depuis quelques années sur des belles performances. Voilà, c'est un marché qui reste compliqué, hein, le tennis actuellement. Mais le marché du compétiteur, du joueur qui cherche des raquettes performantes, fonctionne toujours bien. Et comme Head, nous sommes positionnés essentiellement sur ce segment-là de joueurs. On arrive à bien tirer notre épingle du jeu. Sur les balles depuis l'année dernière, on est là-bas la marque qui vend le plus de balles en Europe. Donc ça, on est plutôt très satisfait de ça. Et au niveau raquette, il y a plein de nouveaux projets. Nos joueurs continuent de performer. Voilà, on a encore vu Djoko il n'y a pas très longtemps qui a bien fonctionné. Donc voilà. Donc la marque va bien. On essaie de faire le mieux possible pour le marché.
En parlant de vitesse et de speed, on a vu un nouveau modèle à l'Open d'Australie, c'est ça? Exactement. Il y a eu un des premiers joueurs, les joueurs, on a des fenêtres de tir dans l'année pour changer leur modèle. C'est souvent les périodes un peu de trêve. Donc là, la période en général fin décembre est plutôt la bonne période pour qu'ils testent les produits, qu'ils se règlent avec leurs raquettes. Et avant d'arriver sur la saison australienne et le l'Open d'Australie. Donc certains joueurs ont décidé de switcher tout de suite. Et donc vous avez vu la nouvelle speed qui est là. Donc celle-ci, qui est sur base de blanc. Alors là, je ne sais pas si on vient voir la caméra, mais il y a blanc et blanc. Quoi. C'est une base de blanc, mais là, il y a du blanc mat. Ensuite, sur le test de raquette, on est sur du blanc brillant. Là, on est sur un noir brillant. Donc il y a plein de détails que les personnes peuvent voir en magasin. De plus près, mais oui, certains joueurs ont voulu switcher tout de suite, d'autres non. Comme Djokovic, voilà, donc Djoko joue en ce moment toujours avec la raquette des 10 ans, puisque la Speed avait été lancée pour lui. On a fêté les 10 ans, donc là il joue avec la Speed X, qui a eu un design vraiment spécialement pour lui, avec le Speed dans le head ici en doré, le Speed X et tout ça. Donc ça, il a commencé à jouer avec en fin d'année, et il a souhaité la garder pour l'Australian Open, sachant que c'était le même moule que la Speed d'avant. Il y a aussi le fait peut-être qu'il avait gagné l'année dernière l'Australian Open. Donc il a, vous savez, dans le sport, on est pas mal superstitieux par moment. Surtout lui, n'est-ce pas? Ça, je sais pas trop, je le connais pas suffisamment. Mais en tout cas, on est assez superstitieux et voilà. Et du coup, je pense qu'il y a un peu tout qui a fait que voilà, il a pas souhaité switcher immédiatement pour l'Australian Open dessus. Bien lui en a fait, puisque bon, a priori, ça l'a pas trop dérangé. Et il a eu des plutôt bons résultats avec la speed des 10 ans. Donc on est plutôt content de ça. Mais bien évidemment, au moment du lancement de la raquette, il jouera avec la nouvelle raquette, bien sûr. Quelles sont les améliorations, les différences entre le modèle précédent et le tout nouveau, hormis les blancs et tout ça? Il y a essentiellement, effectivement, le côté un peu design, mais également le côté graphène 360 plus. Donc on a graphène 360 plus, on a du graphène positionné aux endroits stratégiques de la raquette pour venir stabiliser la tête de raquette, et également des spiral fiber qui sont positionnés au niveau du cœur de la raquette. C'est une vraie évolution technologique. C'est en fait des fibres, si j'essaie de schématiser, c'est des fibres qui sont torsadées entre elles. C'est pas une tresse, hein, c'est torsadé. Et en fait, au moment de l'impact, ces fibres vont un peu se détorsader. Et du coup, ça va apporter un peu plus de souplesse au niveau de la flexion de la raquette. Et du coup, apporter un peu plus de contrôle à ce moment-là, puisque la balle va rester un peu plus en contact avec avec le cordage, avec la corde et la raquette. Voilà, donc c'est les évolutions qu'il y a. Après, on n'a pas voulu révolutionner le moule en lui-même non plus. Il faut savoir quand même que la Speed, qui est en ce moment en magasin, qui existe depuis quasiment 2 ans, c'est la Speed qui a le plus de résultats depuis les 10 ans qu'on a lancé la Speed. Elle a gagné tous les grands chelems l'année dernière, cette raquette, entre Barty et Djoko. Elle a gagné tous les grands chelems. Elle a eu les 2 numéro 1 mondiaux pendant très longtemps dans l'année 2019. Donc on n'a pas voulu tout révolutionner sur cette raquette. On a voulu changer de design, ça oui. On a rajouté un peu les spiral fiber pour apporter un peu plus de contrôle. Maintenant, voilà, on n'a pas voulu tout changer. C'est une raquette qui performe super bien. Normalement, à chaque fois, on ne cherche pas à réinventer la roue en permanence. Ça reste quand même un peu le modèle phare dans la gamme Head, où vous la positionnez. C'est le best-seller. C'est le best-seller. La Gravity a fait vraiment des grosses perfs. Après, en termes de sortie, Djoko, c'est Djoko. C'est vraiment le best-seller. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes questions. De rien. Et on continue de parler matériel avec l'un de nos invités d'aujourd'hui, Albano Olivetti, bonjour. Bonjour. Alors, les joueurs et les joueuses vous connaissent, votre marque de fabrique, notamment sur le circuit, c'est un énorme service. Vous avez un record officiel à 243 km/h, mais un record officieux parce que sur un radar non homologué à 254 km/h, le service, ça a toujours été votre marque de fabrique. Ça impacte forcément le matériel qu'on utilise sur les choix de raquettes, sur le cordage. C'est vraiment un paramètre fondamental pour vous de votre jeu. Oui, c'est important. Pour moi, quand on a identifié ses armes, c'est important de se sentir à l'aise dessus. Et effectivement, la raquette, le plan de cordage, le cordage en lui-même peut impacter énormément différents coups, la puissance, la précision. C'est effectivement assez important. Pour donner quelques données justement en termes de cordage, en termes de tension, on est sur quel choix aujourd'hui? Alors moi, jusqu'ici, j'ai toujours joué avec la Pure Drive de Babola. C'est une raquette qui est quand même puissante à la base, donc je l'attendais beaucoup parce que sinon je voulais quand même garder un certain contrôle, donc j'allais quelquefois jusqu'à 30 kg de tension, je variais entre 30 et 28 de tension, et avec un cordage de chez Babola aussi qui s'appelle le Pro Hurricane.
D'accord. C'est, on fait évoluer ce genre de réglage, ce genre de choix dans une carrière où on est relativement exigeant, assez fixé sur, sur des réglages, sur un modèle, sur des choses comme ça. Alors ça dépend des joueurs. Il y a des joueurs qui, de temps en temps, ont besoin d'évolution, qui changent quelque chose. Moi, perso, ça fait quand même, ça faisait à peu près 10 ans que je jouais avec cette, cette raquette. On peut avoir des changements par rapport à la surface sur laquelle on joue, par exemple, sur la tension, sur le cordage. Je sais qu'il y a des joueurs qui peuvent de temps en temps mixer quand ils vont aller sur gazon, ils vont chercher un cordage un peu plus confortable avec plus de feeling, alors que sur terre, peut-être un cordage qui va tenir un peu plus longtemps, on va sentir qu'on va pouvoir gratter un peu plus la balle pour que ça accroche et que l'effet prenne. Donc ça dépend des joueurs. Et après, bon, moi j'ai plutôt dans l'idée de rester plus ou moins sur ce qui me plaît et ce qui me convient. Quand on a été blessé, comme ça a été votre cas, qu'on revient aussi, c'est un moment où on fait des choix parfois un peu différents, ou ne serait-ce que pour revenir, ou on remet des choses en question, ou non, vous êtes resté sur cette ligne directrice aussi. Ben, ça peut être un peu un moment pour tester certaines choses, parce qu'on repart vraiment, vraiment de zéro. Moi, je me souviens qu'au début, ben, quand j'ai repris, j'avais eu des problèmes à l'épaule, donc j'avais pas du tout la même force. Moi, je jouais avec une raquette qui est très lourde, donc forcément, au début, pour la manier, c'était pas facile. Donc j'ai repris un peu des raquettes un peu plus... classique, qui tournait autour de 300 grammes et quelques. Et voilà, après, on peut en profiter pour essayer un peu du cordage, du matos un petit peu différent. Quand on est très grand, en plus comme vous, quand on a une très grande pointure comme vous, on trouve facilement enfin, du matériel qui répond aux exigences du haut niveau, ou c'est parfois compliqué? Alors, c'est pas toujours facile, parce que forcément, on devient un peu pointilleux aussi. Donc, de temps en temps, c'est sur vraiment du feeling, c'est sur des détails. Moi, je me souviens que quand j'ai essayé, par exemple, des cordages différents, alors on va se sentir un peu mieux en coup droit, un petit peu mieux en revers, mais on va perdre au service, on va perdre à la volée. Donc, il faut vraiment tout prendre en compte et ben, voir avec le meilleur mix possible et se sentir le plus à l'aise possible, dans ben, peut-être plus dans ses points forts, et ensuite, ben, se sentir bien aussi dans les autres secteurs du jeu. On consomme aussi beaucoup de matériel, enfin, on casse plus, on use plus vite, c'est aussi un paramètre quelque part. Oui, bah forcément, le cordage, moi j'en suis réduit à mettre des Elastocross pour les faire tenir en durée de vie. Et effectivement, grâce à ça, je gagne 2 à 3 fois le temps de vie de cordage. Mais le Pro Weekend aussi est connu pour être assez solide, voilà, parce que sinon, si je casse, si je casse tous les 3 quarts d'heure, c'est compliqué quand même. Quand on revient de blessure aussi, comme vous, c'est un long chemin, ça demande beaucoup de patience. Vous en êtes où aujourd'hui? Oui, j'ai eu 1 an et demi, la plus grande blessure m'a écarté des cours pendant 1 an et demi. J'en ai eu 2 autres conséquentes de 6 mois, donc si on met tout bout à bout, je suis à 3 ans de blessure malheureusement. Donc oui, il faut être patient, surtout quand on revient d'une grande blessure, ça prend du temps, et il faut accepter de repasser un petit peu par le début, en fait, tout simplement. Merci beaucoup Albano, vous restez bien sûr avec nous, on va continuer de profiter de vos conseils et de votre expérience. On va lancer la rubrique C'est quoi ce truc avec Louise qui va nous présenter une valise étonnante, regardez. Alors on est en plan très large parce que Louise, vous nous avez ramené une valise taille XXL, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Donc c'est la valise Dunlop. Donc c'est la valise où il y a toutes les gammes des balles Dunlop. En fait, il y a 1 an, la marque a changé de packaging de balles, donc tous les tubes, et ils ont eu l'idée de créer cette valise pour présenter toutes leurs balles. Mais à part vous, qui se promène avec ça du coup? Donc c'est tous les commerciaux de Dunlop, de la marque, qui se promènent avec lorsqu'ils vont faire des animations dans les clubs par exemple, ou lors d'événements. Et puis ils me l'ont confié, quand ils ouvrent la valise, ben, l'effet est immédiat, puisque voilà, on se demande... Là on a toute la gamme, toute la collection quoi. On a toute la collection, donc avec notamment les balles qui servent en ce moment à l'Open d'Australie, et puis ça va aussi de la balle orange, la balle verte, à toutes leurs gammes de balles dures. Voilà. Impeccable, allez, parfait, vous pouvez la refermer, repartir en voyage. On peut repartir en voyage. En club. Merci beaucoup Louise, vous revenez à chaque fois avec une nouvelle trouvaille. Nous c'est l'heure de la minute insolite, allez, 60 secondes d'images insolites glanées sur la planète tennis, c'est tout de suite. Partout sur la planète, les humains et les chiens jouent au tennis, alors quand on compile le pire et le meilleur, voilà ce que ça donne. Si jamais vous tombez en panne, appelez Fernando Verdasco, le dépannage, c'est son rayon. Voici une nouvelle version du tennis de table. Ça demande certes un peu de précision. De toute façon, pour bosser, n'importe quel objet peut faire l'affaire. On peut aussi viser le cerceau. Après la double faute, voici le triple filet, 3 fois plus de chances de la mettre dedans. Sinon, il y a aussi la fameuse cuillère en bois pour finir un point en 2 coups.
En deux coups, deux cuillères à peau, évidemment. Mais le plus important, c'est d'avoir le rythme dans la peau. Après, à chacun son style. On a aussi retrouvé la plus vieille vidéo de tennis amateur. Et allez, attention les yeux, on se quitte avec une dernière feinte. Toujours en plateau dans Tennis Addict, on est ravis d'accueillir Denis Negelen. Rebonjour. Bonjour. Ancien joueur, bien sûr, directeur des internationaux de Strasbourg, bien sûr, ça sera au mois de mai, on aura l'occasion d'en reparler. Quand vous voyez tout le matériel dont on parle dans cette émission, quand on rembobine un petit peu le fil de vos souvenirs dans le matériel que vous avez connu, déjà, qu'est-ce qui vous frappe le plus aujourd'hui quand vous voyez le matériel des joueurs et surtout des joueuses que vous accueillez? Moi, ce que je constate, c'est que le matériel est fait pour évoluer. Il a évolué depuis 40 ans d'une façon spectaculaire. Et l'utilisation des nouveaux matériaux et des matériaux plus légers, plus solides, tout ça a fait partie. Moi, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années pour une grande marque de raquettes qui était Dunlop. Je les ai accompagnés pendant 12 ans comme conseiller technique. Donc, mon rôle était d'aider à l'élaboration des produits. Et c'était très enrichissant parce que j'ai connu la raquette en bois et j'ai joué avec des raquettes en bois. Et puis, ça a été l'évolution vers les raquettes métalliques, puis les raquettes à la fois graphite, moulé, enfin, tout ça, toute cette évolution technologique, je l'ai suivie, j'étais au cœur même des usines, j'allais visiter des usines. Il y avait déjà un vrai échange entre les joueurs, entre les marques. Il y en avait un, bien sûr, mais il y avait surtout des gens comme moi qui avaient comme mission, en plus de jouer et de représenter la marque en jouant avec leurs produits, c'était de les aider, de participer à des réunions avec les ingénieurs de fabrication de produits, mais aussi avec les hommes de la promotion de la marque, pour voir comment on pouvait la faire et la développer. Rétrospectivement, quel est le bon, véritablement, qui, pour vous, a le plus, ou qualitativement, on a le plus évolué, où le jeu, du coup, a été modifié par la technologie des raquettes, notamment? Je crois que les deux, la raquette et le cordage, vont ensemble. Il y a eu quand même beaucoup de cordage. Le cordage a beaucoup évolué. Moi, j'ai joué avec très longtemps avec des cordages en boyau. Donc, quelque chose qui existe toujours, mais qui n'est plus du tout utilisé. J'ai vu que la balle va plus vite avec moins d'efforts, de façon très claire, si on doit résumer par rapport il y a 30 ans. J'aurais aimé jouer avec des raquettes aussi performantes. Ça m'aurait permis peut-être de servir aussi fort qu'Albano, 253 km/h. Quand j'entends ça, je me dis que fait la police quand même. On était à combien à votre époque, soit dit sans vous vexer? Oh bah, il n'y avait pas de radar. Les meilleurs joueurs de l'époque, c'était Roscoe Tanner. Il servait à 190, 195. Et voilà, moi, je devais servir. Et là, Albano se dit si j'étais né 40 ans plus tôt. J'étais plutôt considéré comme un bon serveur à cette époque-là. Je servais à 180. Quoi. Voilà, donc il y a une vraie différence. Albano, vous avez moins de 30 ans, vous. Mais déjà, entre le début de vos gammes de tennisman et aujourd'hui, vous avez senti cette évolution aussi? Non, ça reste quand même plus ou moins. Je pense que peut-être que vraiment le cordage a pu évoluer, où ils sont vraiment devenus pointilleux sur un peu les différents aspects d'accroche et tout ça. Mais la raquette en elle-même, je pense que voilà, j'ai pas commencé tout petit, donc je pense qu'il y a 15 ans. C'est déjà très grand, c'est pour ça. C'est pour ça, mais je pense qu'il y a 15 ans, c'était à peu près plus ou moins la même chose. Le progrès va un petit peu moins vite maintenant. Quoi. Voilà, le matériel plus ou moins ressemblait. Si je peux me permettre de rajouter quelque chose, le tennis et les raquettes et les produits, ils ont évolué avec les joueurs. Moi, j'ai joué à une époque, dans les années 70, au début 80, où on ne frappait pas. On construisait un point, et c'est ce qu'on apprenait. Et c'est à partir, je dirais que si pour caricaturer les grands joueurs, c'est Lendl qui a commencé à apporter de la frappe, et de la frappe sur tous les coups. Et tout ça a fait évoluer les produits. Parce que Lendl ne pouvait pas jouer qu'une raquette en bois, comme jouait Borg, ou comme jouait... Il les aurait cassés, brisés totalement. Donc, et après, on a tapé de plus en plus fort. Donc cette évolution du tennis, elle vient de l'évolution des joueurs, de leur capacité physique, et à transmettre... Un jeu un peu différent. Un jeu différent. Que construire un point, je ne sais pas ce que ça veut dire. Voilà, je tape fort. Juste pour finir, Denis, voilà. Quand vous voyez le parcours de blessure, notamment d'Albano, dont il parlait tout à l'heure, de presque 3 ans bout à bout, c'est quelque chose que vous avez connu aussi, ça aussi, ça. Malheureusement, oui, j'ai connu cette période-là. Moi, je fais partie aussi des joueurs qui ont été blessés à l'épaule. Et j'étais un des premiers joueurs, je crois, le premier joueur sur le circuit international qui a pu rejouer après une opération de l'épaule.
Donc je souffrais d'une usure du bourrelet glénoïdien suite à des soi-disant multiluxations récidivantes, ça doit parler au kiné. Et on m'a à l'époque proposé, la plupart des chirurgiens m'ont dit tu ne joueras plus au tennis mais on peut t'opérer. Et il y en a un qui m'a proposé de faire une opération mais en me demandant de choisir entre mon coup droit et mon revers. Entre mon coup droit et mon revers, effectivement. Et donc, pardon, entre mon coup droit et mon service. Et parce que, en fait, le fait de jouais pas vraiment au tennis, en fait. Non, parce que c'était simplement me mettre une vis dans l'épaule qui raccourcissait mon amplitude de l'épaule. Et il fallait que je choisisse entre ouvrir le bras ou l'ouverture arrière. J'ai choisi de garder mon service. Et ça m'a donc limité mon coup droit. Voilà, mais ça ne m'a pas empêché de passer 2-3 tours à Roland-Garros après. Mais c'est une période de 2 ans d'arrêt et de travail et de rééducation. Donc, je comprends parfaitement et les souffrances et les frustrations que peut avoir Albano. Merci beaucoup, Denis. Vous restez bien sûr avec nous. Jean-Sébastien, qui est en face de vous, va nous décortiquer l'une des stars, la Ed Gravity. C'est maintenant. Allez, le zoom produit de cette émission, c'est cette raquette, la Ed Gravity. Jean-Sébastien, vous aviez eu, vous, la chance de la tester en vrai, en live, dès sa sortie, tout de suite, au mois de mai dernier. Effectivement, on avait été conviés. Je vous la rends. Merci. C'est le modèle proto, donc on va la garder, celle-là. On avait été conviés par Ed en marge du Master 1000 de Rome pour un événement assez unique avec la présence de Alexander Zverev qui nous avait présenté sa raquette, puisque c'est une raquette qu'il a développée, qu'il a aidé à développer. Et avec laquelle il joue réellement aujourd'hui. Alors certes, ce n'est pas celle qu'on trouve dans le commerce, ni le proto que j'ai là, ni la gamme que j'ai. Mais c'est celle que vous avez testée quand même. Mais oui, on peut jouer avec la... On arrive à faire quelque chose avec la raquette de Zverev. Alors celle de Zverev, non, je n'ai pas joué avec. Hein. Non, parce qu'elle est trop lourde. Hein. Je pense qu'Albano devrait s'amuser avec, mais pour les joueurs de loisirs, ce n'est pas le cas. Mais oui, on l'a testé en long, en large, en travers, et toute la gamme qui est très large en termes de poids et d'équilibre qui est proposée par la marque Ed. Justement, quelle est celle qui marche le mieux aujourd'hui, le modèle le plus vendu, c'est quoi? Alors, je pense qu'il y a deux modèles qui sont phares dans leur gamme Gravity. Hein. C'est le modèle MP, qui va dire en dessous de 300 grammes, qui a un plan de cordage, on en parlait tout à l'heure, qui est 16 montants et 20 travers, qui apporte à la fois de la vitesse, mais un petit, enfin, du contrôle aussi. Et la version S, qui est, elle, plus légère, avec un tamis un peu plus grand, qui s'adresse à davantage de joueurs, à des jeunes, à des compétiteurs qui ont envie de progresser un peu plus facilement. Ouais. Ça, c'est vraiment accessible par rapport à la Tour, par rapport à la Pro. Ça, c'est pour le commun des mortels comme ouais, nous. La Tour et la Pro, elles ont, elles, un plan de cordage donc, plus serré en 18-20, comme les classiques de Ed. Hein. La marque autrichienne est assez réputée pour ses plans de cordage, comme jadis la fameuse Pro Tour. C'est d'ailleurs une raquette qui m'a fait penser à la Pro Tour quand on la joue parce qu'elle est très souple. On a beaucoup de feeling, beaucoup de sensations. Par contre, pour donner de la vitesse à la balle, il faut avoir des frappes plutôt à plat, avoir des gestes très amples. Mais c'est vraiment une arme en termes de précision et c'est très intéressant parce qu'ils ont réussi à niveler entre la Prestige qui est encore plus orientée contrôle et la Speed qui est la nouvelle Speed là aussi qui va bientôt sortir, qui donne un peu plus de vitesse. On est à mi-chemin entre ces deux modèles phares. Ce compromis, c'est vraiment sa qualité première du coup? Alors, la qualité première, c'est les sensations et le contrôle de balle, ouais, la précision. Ouais, c'est vraiment des raquettes qui sont très très agréables à jouer. Vous me conseillez quoi du coup? Une S plutôt? Une S pour la progression et voilà. À prochaine émission... Parce que je pars de loin. À prochaine émission, ce sera une MP et à la fin de l'année, ce sera une Tour ou une Pro. Allez, je reviendrai avec ça. Autre chose sur cette Gravity? Oui, la gamme est ouais, très large, comme je le disais. Chacun devrait trouver son bonheur dans cette proposition. Sur la Prestige, un petit mot aussi, on va voir le... Effectivement, la Prestige, ils viennent de renouveler aussi la fameuse Prestige, avec des coloris qui rappellent l'ancienne raquette, la classique. C'est quoi? C'est juste un clin d'œil au passé ou c'est une vraie raquette à part entière? Ah non, c'est une vraie ligne complète qu'on n'a pas encore testée, mais ça ne saurait tarder. Et elle s'intercale, comme je disais, tout en haut de la gamme Ed. Merci beaucoup Jean-Sébastien, on aura l'occasion évidemment d'en reparler dans une prochaine émission de Tennis Addict. On a beaucoup parlé de blessures, on va parler de blessures à l'épaule avec notre doc, le kiné Cédric Daniel. C'est dans la rubrique Santé, c'est maintenant. On parle santé, c'est un classique de Tennis Addict avec Cédric Daniel, bonjour. Bonjour. Vous êtes kiné, vous êtes notre professionnel de santé. On va parler des traumatismes à l'épaule, on en a parlé déjà malheureusement pour eux avec Albano Olivetti et Denis Neijlen tout à l'heure. Les différentes blessures de l'épaule, c'est vraiment un grand classique que voit arriver dans son cabinet un pro comme vous.
Chez le tennisman, ouais, on traite pas mal de problèmes d'épaule. Il y a deux grands types. On va avoir le côté tendinopathie, les tendinites de l'épaule. Et un autre sujet, c'est ce qu'a abordé Denis avant, c'est les problèmes de stabilité de l'épaule. Il faut savoir que l'épaule, c'est une articulation qui est peu congruente, c'est-à-dire qu'elle n'est pas très imbriquée comme articulation. Et donc, du coup, c'est la musculature autour qui va lui donner sa stabilité. Par contre, les tennismans, eux, ils demandent une grande amplitude de travail à cette articulation. Donc, elle est très sollicitée. On va parler des soins et des solutions tout à l'heure, mais avant, en termes de prévention, en termes de... Ouais, enfin, si je dois faire attention, si je veux me prémunir des blessures, est-ce que vous avez des bons conseils à nous donner pour les joueurs et les joueuses notamment ? Ben, c'est ce que j'ai dit avant, c'est que la musculature autour a une importance, c'est hyper important de gainer cette épaule. On peut utiliser le terme de gainage aussi. Donc du coup, un renforcement de cette épaule est de façon assez stratégique, c'est-à-dire... les éléments antérieurs, les éléments postérieurs, un global de l'épaule est très important pour éviter d'avoir des pathologies. Je peux faire ça tout seul dans mon coin ou vous conseillez d'aller voir, je ne sais pas, un professionnel comme vous pour connaître les bons exercices qui peuvent justement me renforcer sans me blesser pour autant ? L'intérêt de travailler avec nous, c'est qu'on pourra faire un bilan d'entrée, de voir quels sont les éléments déficients, quelles sont les souplesses d'un côté, les rétractions de l'autre, donc faire un bon bilan pour voir quels sont les éléments à développer et on pourrait faire ça ensemble. Ouais. Si on a un pépin, si on a une douleur, le réflexe, c'est aussi vraiment d'aller voir un pro parce que si on ne veut pas aggraver les choses, si on veut faire la pause suffisante, si on veut avoir les bons soins, il n'y a qu'un pro qui pourra me conseiller. Le souci avec le sportif, c'est qu'il veut toujours revenir hyper vite et qu'il attend toujours très longtemps avant de venir consulter. Donc l'idéal... Il faut faire l'inverse, quoi. Voilà. Non, mais c'est ce qu'on essaye de faire avec des pros comme Albano ou comme avec Pierre Hugues ou avec Dan, je leur explique souvent, il ne faut pas s'écouter, mais il faut être à l'écoute de son corps. Donc quand je commence à avoir un souci, vu que c'est leur outil de travail, il faut qu'ils viennent et on peut rapidement soulager, alors que s'ils attendent trop, c'est la galère. On l'a vu dans certains cas, c'est vraiment comme c'est ultra sollicité, plus on monte en niveau, en plus c'est sollicité, plus ça peut être gênant, plus ça peut être grave, entre guillemets, jusqu'à l'opération. On peut imaginer les contraintes que subissent les articulations comme les épaules avec des sujets. On voit Albano avec son gabarit, sa puissance, les vitesses qui sont développées au service, les amplitudes qui sont demandées. On imagine bien que biomécaniquement, c'est très contraint. Donc si on pouvait éviter l'opération, ce serait bien. Merci beaucoup Cédric Daniel, vous restez avec nous, on va tester vos connaissances tennistiques, je sais que c'est le moment que vous préférez dans cette émission, vous avez deux gros challengers en tout cas en face de vous, et puis il y aura une raquette à gagner juste après le quiz, c'est tout de suite. Allez le quiz, pour terminer cette émission, on va tester vos connaissances tennis aux uns et aux autres. À ma gauche, à ma droite, on peut jouer en équipe si vous voulez. On cherche un numéro 1 mondial, ancien numéro 1 mondial, qui n'a jamais gagné un match en simple à Wimbledon. L'un des meilleurs joueurs de terre battue de l'histoire. Un gaucher, vainqueur à Roland-Garros en 1995. Autrichien. Muster, ouais. Thomas Muster, un point pour Denis Neijlen. Allez, qui coiffe sur le fil. On va demander à la VAR l'arbitrage vidéo. On cherche une joueuse ambidextre qui joue donc dès demain. Elle a été numéro 1 mondial. Elle a créé une marque de bonbons. Si, elle a gagné tous les titres du Grand Chelem. Sharapova. Maria Sharapova, Alban Olivetti. C'est les bonbons qui vous ont mis sur le. Non, sur la et ambidextre, par contre, c'est un peu exagéré quand même. Elle fait des passing main gauche. Non, il faut refaire bon. La question. Une réclamation. Ouais. Nous avons une réclamation. La VAR analysera dans la deuxième réponse. Allez, une troisième pour la route. On cherche un joueur, qui était cinquième mondial en 1986. Bustin Albano en 86 ? Non, pas encore. Je suis pas bien là. Un gaucher spectaculaire avec pas mal de francs-parler qui lui ont valu autant de supporters que de détracteurs. Il n'a jamais perdu un match en 5-7 à Roland-Garros. McEnroe ? Non, c'est pas McEnroe. Mais vous pouvez continuer à jouer. Il a été ruiné par un banquier suisse et lui-même est français. C'est arrivé à beaucoup de gens. Il est marié à une Torreira. Il a gagné la Coupe Davis. Henri Lecomte, merci beaucoup. Arbitrage entre les deux, à nouveau. Allez, un dernier pour la route avant de jouer pour gagner une raquette. On cherche un joueur vainqueur de tous les tournois majeurs. Polyglotte averti. Alors lui, il n'a pas lancé de marque de bonbons, mais il est propriétaire de restaurants. Djokovic.
Novak Djokovic. Ouais. Hey, Albano, très bien. Restaurant, allez, resto bonbons, là. Les bonbons et les restos, ouais, c'est ça, voilà, la nourriture, c'est son rayon. Merci à tous les quatre, en tout cas. On a été ravis de vous accueillir dans ce Tennis Addict. Vous pouvez gagner une aide speed si vous partagez, si vous vous abonnez, pardon, à la chaîne YouTube Tennis Addict et si vous laissez un commentaire. On vous laisse 15 jours entre le moment de l'apparition de cette vidéo. Vous faites ça et vous aurez peut-être une chance au tirage au sort de gagner cette raquette. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les quatre. Toutes les infos, toutes les news, tous les tests sur tennisaddict.fr, ça c'est votre rendez-vous tout au long de l'année. Et nous, on se retrouve bien sûr très vite pour une nouvelle émission. À très bientôt.